في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على الجروب كوسيون. قلنا ملي تيكون عندي اش اي تان سو جروب ديستانغي دون جي الوغ كيلكو سوا اكس ان بارتيال جي عندي اكس اش ايكال اش اكس. هادي لا ديفينيسيون اللي كنا شفنا قبل وهادي يعني لا كلاس ا غوش ايكال لا كلاس ا دروات دونك لا غولاسيون ا غوش ايكال لا كلاس ا دروات. دونك لا ديفينيسيون هادي نديفينيها بلا غولاسيون هادي H est distingué dans G, donc X en relation avec Y, si seulement si, X moins 1, Y appartient à H, ou les X, Y moins 1 appartient à H. Il y en a les classes à gauche ou les classes à droite qui connaissent une théorie. Mais si on a dit H est un sous-groupe distingué dans G, donc on peut définir une loi de composition interne, il y en a de relation d'équivalence, qu'est-ce qu'on est compatible avec la loi du groupe. Mais si on a dit A en relation avec A', ou P en relation avec B', alors AP est en relation avec A', B'. Si je connais dit la compatibilité par la loi du groupe, ou je peux définir une loi de composition interne sur G, sur l'ensemble quotient, G sur H. Ou un ensemble quotient que tu viens de structure du groupe. Mais tu H est un groupe distingué. Il y a un bien devant. Donc, montrons que l'ensemble G sur H est un groupe. Elle est définie avec la loi de composition interne. Elle dit. Qu'on est dans H est distingué dans G, qu'est-ce qu'on est dans une relation d'équivalence? On a la relation d'équivalence à gauche, qu'est-ce que c'est la relation d'équivalence à droite? On dit que la relation d'équivalence, qu'est-ce qu'on est compatible avec la loi du groupe? Ou d'abord, la loi elle dit, qu'on a une loi de composition interne à l'inbiloi, et bien l'application est bien définie. Mais si l'application est bien définie, il y a deux éléments. Égaux, sur l'ensemble de départ, on va analyser les rangs sont égales. On va dire x, y égale x prime, y prime. Ou on va dire x, y, qui est x, y prime, x prime, y prime. Ou on va dire x, y en relation avec x prime, y prime. Ou à clôture, on a H distingué dans G, X en relation avec Y, et X moins 1, Y appartient à H. Qui connaît la relation d'équivalence? Donc, je vais bien BNA, X, Y en relation avec X prime, Y prime, je vais bien maintenant BNA, X, Y moins 1, X prime, Y prime appartient à H. Ou je vais Y moins 1, x moins 1, x prime, y prime appartient à H. D'abord, je vais lire ce n'est bien. Ou à chaque fois, on dit x, y, qu'est-ce que c'est x prime, y prime. L'égalité de la coupe, qu'est-ce que c'est la classe de x, qu'est-ce que c'est la classe de x prime. Ou la classe de y, qu'est-ce que c'est égal à la classe de y prime. L'égalité de la deux classes, donc x en relation avec x prime. Ou y en relation avec y prime. La définition de la relation d'équivalence. Il y a x moins 1 x prime appartient à H. Ou y moins 1 y prime appartient à H. Ou à Khanziana. D'abord, l'objectif d'y est de montrer que Hada appartient à H. Il y a qu'un dit Hada appartient à H. Donc x, y moins 1 x prime y prime appartient à H. Ou à dire qu'il y a une égalité. On dit y moins 1 x moins 1 x prime y prime. Chauffons maintenant x moins 1 x prime appartient à H. Donc il existe H1 appartient à H tel que x moins 1 x prime égale à H1. On dit que c'est y moins 1 H1 pardon y prime. Et ça dit appartient à H. Donc, que ça oui, l'élément H1.
Gnash est un sous-groupe distingué d'Ang. Donc, quel que soit. Donc, Y'H, Ketsawi H, Y'. Indiana had H1. Y' appartient à H, Y'. Ou HY', Ketsawi H, égale à HY'. Donc, il existe H2 appartient à H. Tel que H1, Y', que tu écris à l'échelle Y', H2. Donc H1, Y', on a dit Y', H2. Et H est un sous-groupe distingué d'Ang. Dit tu voulais Y moins 1, Y' fois H2. Ou bien Y moins 1, Y' appartient à H. Elle dit elle appartient à H ou elle appartient à H. Donc elle a quand même appartient à H. Il a un endroit qui appartient à H, donc l'application est bien définie. Pour avoir une loi de composition interne. Ou on a fait ce qu'il y a de port, elle a fait ce qu'il y a de très radiant de H, un sous-groupe distingué d'Ang. On a fait ce qu'il y a pour pouvoir appliquer que Y est en relation avec Y moins 1. Et Y moins 1, Y' appartient à H. Donc, que Digné appartient à H, appartient à H, ou quel cas. Quand Qatar appartient à H, appartient à en relation avec Adi, ou quitte l'égalité. Donc l'application est bien définie pour arriver au rôle de composition interne. Maintenant, quel que soit X, Y, la classe X, Y appartient à GH, et X, Y appartient à G, donc la classe X, mais la classe. X, Y appartient à G, donc X point Y appartient à G sur H. Donc l'application est bien définie au LCI. D'abord, il y a la loi associative où on admet un élément neutre où chaque élément a un dos symétrique. X, Y, Z appartient à G sur H. Elle dit, il y a d'abord l'associativité. Ou on dit, elle dit, point, le point associatif G. Donc, il y a X, Y, Z. Ça fait donc la loi est associative. Associative. Ou elle est notre soit X, la classe X appartient à GH. Donc X appartient à G. Elle dit X fois E. Il y a la classe X. Ou la classe E. Il y a la classe X. Ou est-ce l'élément neutre? Alors, E fois H, H. La classe E. La classe E, il y a H. L'élément neutre est né à voie H. Né à soit la classe d'X appartient à GH, donc la classe fois l'élément, la classe d'élément neutre est X fois E, où est X. Où est-ce que on dit la classe d'E, alors il y a E fois H, il y a H, ou il y a H fois E. D'ailleurs, H est un sous-groupe distingué. Soit la classe d'X appartient à G, d'abord, c'est une bien,
élément inversible. Donc x appartient à g. Au g est un groupe, donc il existe x moins 1 appartient à g, tel que x fois x moins 1 égale à x moins 1 fois x égale à e. D'abord, il y a la classe. Donc, il y a une classe qui est l'inverse de là. Donc, G sur H, le groupe quotient, est un groupe. Je vais prendre un exemple ici. Je vais prendre G ou Z. Z est un groupe additif abélien. وشنو هما لي سوب جروب ديالو هما لي ان زد وبما ان زد ايتان جروب ابيليان كنا قلنا بان مين تيكون جروب ابيليان راه كاع لي سوب جروب كيكونوا ديستانغي دونك اش اي ديستانغي دون زد وشنو هي لا ريلاسيون ديكيفالونس دون زد اكس اون ريلاسيون افيك ايغريك سي سولمون سي موان اكس بلس ايغريك ابارتيان لان زد. Donc x équivalent à y modulo nz. Il y en a un quotient par le sous-groupe nz. Je vous dis, il y a z là, nz. Nous avons bien là, notre g un groupe. Le singleton E est un sous-groupe distingué dans g. A dit définir la relation d'équivalence x en relation avec y si seulement si x moins 1 y appartient le E. Donc x moins 1 y égale à E, donc x égale à y. Là, les classes d'il x, il y a x fois h, il y a x fois E. Donc l'ensemble d'il des classes d'équivalence aura au singleton x. Avec x appartient le g. Ouais, je dis, g est un sous-groupe distingué de g. La relation d'équivalence x moins 1 y appartient à g. X moins 1 y appartient à g, donc la classe de x, y est xh, donc y est g. Donc l'ensemble des classes d'équivalence voit singleton G. Ou alors, différent de G. Alors, singleton G, alors, je suis où le groupe G.